Bonjour, bonjour la compagnie, comment ça va bien? Moi ça va la forme, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, moi en tout cas ça va super bien. Je voudrais commencer par vous remercier car il y a de nombreuses personnes qui se sont abonnées donc à ma chaîne, donc je voulais les remercier. Donc il y a Nicolas, il y a Magivan, Yacine, Lord Revan ou Raven, Revan, ça dépend comment on le prononce. Il y a Vincent, il y a Frodon, ah, ça me rappelle quelque chose. Il y a Greg, il y a Jean, il y a Elkaz, il y a Manican, et j'en passe. Vraiment, il y a beaucoup de monde qui s'est inscrit donc sur ma chaîne récemment. Donc je tenais donc à vous remercier de faire partie donc de cette aventure avec nous et de voilà de passer du bon temps, d'agréables moments avec moi et puis avec tout le monde. En tout cas, voilà, je tenais à vous remercier parce que ça me fait vraiment extrêmement plaisir et c'est tout à fait normal que je vous remercie. Donc nous revoici donc sur City Skyline avec donc le DLC Industrie où nous avions commencé donc notre petite ville. Petite ville qui commence petit à petit à grossir. Nous avions commencé par la mise en place donc on a fait un début fracassant, hein. C'est vrai que si vous n'avez pas regardé donc la première vidéo, je vais vous la mettre donc en haut à gauche ou à droite, je sais plus exactement, peu importe, vous la verrez donc sur le coin de votre smartphone ou tablette ou ordinateur. Un début catastrophique. On avait commencé par un manque de sous parce que je m'étais complètement planté. On avait des soucis électriques et en tout genre. Donc la mise en place donc d'une partie donc de notre ville en bas ici. Hein, on voit donc nos petits résidents avec leurs belles maisons à étage pour certains. Et on avait commencé à mettre une petite zone industrielle. On s'était développé petit à petit. On avait acheté donc une partie donc de la carte et nous avions mis en place donc une zone industrielle pétrolière. J'avais un petit peu piétiné des pieds parce que je ne connaissais pas très bien les modalités en fait donc de ce DLC et lors de la toute dernière vidéo, la numéro 3 si je ne me trompe, on avait fait quelque chose donc de plutôt sympatoche ensemble où on a mis en place donc les derricks, on a mis donc les usines pour confectionner, enfin, du moins pour transformer donc le pétrole brut en pétrole raffiné, une fabrique de plastique. Nous avons en plus de cela, comme on peut voir ici donc des barres résidentielles pour donc les travailleurs, les ouvriers du moins dans les usines de pétrole, etc. Et lors de la dernière vidéo, on a mis donc ce gros bâtiment ici qui est une zone de stockage pour avoir une zone ici qui fabrique beaucoup d'accessoires, du moins beaucoup de produits pour la revente, pour faire des simflouzes, ou dollars, ou euros, ou yens, c'est comme vous voulez. Alors donc dans cette vidéo, comme je vous l'avais dit donc lors de la précédente, on va développer nos résidents en fait, parce qu'on voit que la barre ici est explosée. Du coup, ah tiens, il y a des maisons qui sont abandonnées. Donc du coup, on va prendre un petit peu de hauteur et nous avons plusieurs choix à faire. Si je regarde un petit peu au niveau des ressources naturelles, hop, que voici ici. On voit que là nous avons donc du pétrole, ici donc c'est de l'agriculture, là aussi du pétrole, là du minerai, ça peut être super bien le minerai. De l'autre côté aussi, et là on n'a rien. Ici on n'a rien, et je pense que c'est celle-ci que je vais acheter pour du moins développer notre population. Il y avait aussi cette partie-là, mais c'est vrai que le train passe par ici. Donc, ce qui serait intéressant, quoi qu'on peut le faire ici aussi, hein, c'est vrai qu'en plus de cela, on aurait donc de l'agriculture et du pétrole. Mais on a déjà développé la partie pétrole, donc ce serait plus la partie agricole que je développerais donc pour le coup. Mais ce qui est bien, c'est que là, nous avons un chemin de fer pour augmenter donc les ventes, hein, pour augmenter donc le commerce de nos produits. En tout cas, pour le coup, je pense que je vais acheter celle-ci pour augmenter notre population, hein, tout simplement. Alors j'ai eu quelques... Ah bah tiens, j'ai plus de souris, j'ai plus rien qui fonctionne. Bah, du moins, je peux plus rien faire. C'est quoi ce boulot? Hop, voilà, j'avais pas touché la bonne touche sur mon clavier. C'est pas grave. Comme je disais, voilà, donc j'ai eu un message donc de Mika,
qui m'envoie régulièrement donc des messages par rapport donc à mes vidéos, bah, je remercie en tout cas. N'hésitez pas à prendre modèle sur lui parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir bah, ce que vous pensez, ce qui serait cool, ce qui serait moins cool. Et ce qu'il me disait dans son message, c'est que la façon donc de construire un petit peu à l'américaine, comme c'est le cas donc dans ma ville, hein, pour quelque chose donc, de vraiment très très carré, très rectangulaire, très linéaire. Il aurait aimé, oh là là, il y a une catastrophe ici. Il aurait aimé voir un petit peu mes constructions tourner plus vers le modèle européen où c'est un petit peu plus, alors j'ai pas le bordel, mais avec plus de courbes, avec moins quelque chose de carré. Donc du coup, dans cette vidéo, elle va être bah, dévouée, hein, du moins elle sera consacrée pour la mise en place d'un quartier. Alors je sais pas exactement comment je vais le faire. En plus je vois que là sur le coup on a un sacré dénivelé. Je pense que ça va me poser problème à un moment donné. C'est vrai que la carte est pas super facile, mais ça rajoute un petit peu de piment et c'est plutôt agréable. Du coup, je pense que la confection donc de cette zone résidentielle, je vais la faire en avance rapide. Je pense que je vais la faire comme ça. Il faut d'abord que je trouve un style avec des formes, avec donc une trame. Donc je pense que je vais poser. Alors on a combien? On a 236 000. Ouais, on a un peu d'argent dans le portefeuille, donc on va pouvoir s'amuser un petit peu. Alors, est-ce que dans un premier temps, je nivelle le terrain? Alors, je sais pas très bien le faire, hein, pour tout vous dire. Donc là, c'est quoi? Terrain en pente. Adoucir donc le terrain. Niveler le terrain. Voyons ce que ça fait. Ouais, pas grand-chose. Hop, on va mettre en plus fort. Ouais, c'est pas le top. Et ça, c'est aménager le terrain. Aménager le terrain, ouais, ça fait des grosses bosses. D'accord. Ici, adoucir. Ouais, c'est pas GG quoi. C'est pas GG. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Mais vous savez quoi? On va commencer de suite la confection, du moins la mise en place de notre quartier résidentiel. Allez, c'est parti. Ok, donc voici donc notre petit quartier. Alors j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près d'un peu joli, qui change un petit peu des formes toutes droites. J'ai mis quelques courbes. J'espère que ce sera sympa. En tout cas, on va passer maintenant à la mise en place donc de l'eau, hein, parce qu'il va nous falloir de l'eau, bien évidemment, pour que nos habitants puissent intégrer donc bah, ce nouveau quartier finalement, qui me déplaît pas. Dites-moi, oh là, j'ai fait quelque chose de travers là, c'est pas terrible. Hop là, on va casser tout ça, faire quelque chose donc de propre quand même. Il n'y a pas de raison. Alors, hop, on va enlever ça et on remet.
Voilà. Tac. On va mettre l'eau. On va essayer de faire quelque chose donc de... Hop, non. Ici. Voilà. On gagne toujours beaucoup d'argent. Oh, beaucoup d'argent, pour moi c'est beaucoup d'argent. Après je sais que sur plus loin dans le temps, on peut gagner davantage. Mais quand même, 8000, c'est plutôt bien, c'est pas dégueulasse je trouve. C'est pas non plus extraordinaire, vous allez me dire. Mais ça commence à rentrer plutôt bien. Donc voilà, c'est plutôt agréable. Alors, l'électricité. Du coup, je vais essayer de mettre ça ici, dans l'angle. Et il va falloir que l'on zone. Il va falloir que l'on zone. Il nous est demandé donc des résidences très élevées. Du coup, on pourrait faire quelque chose donc de très élevé ici. Et quelque chose d'un petit peu moins... on pourrait mettre des bureaux là. Je sais pas si on peut faire les bureaux pour le moment. Non, pas encore. Pas encore, mais d'ici peu de temps. Donc on pourrait mettre donc des bureaux ici, ça pourrait être vraiment super cool. Et un petit peu de commerce. En commerce, il nous est demandé quoi? Du commerce moyen, d'accord. Par contre, il va nous falloir... On va mettre les services. Dans un premier temps, les pompiers. Je pense que les pompiers, c'est vital hein, quand même. Hein, on va pas se le cacher. Hop, je vais mettre ça ici. Les services de police. Est-ce qu'on a besoin d'un gros truc énorme comme ça? Ça peut toujours faire joli, mais bon. Je vais mettre un centre de police, c'est ça, hein, ouais, quartier général de police. Celui-là est plutôt joli, j'aime bien. 60 000, 25 en patrouille. Là, c'est combien? 40, ah oui, 40. 2000 par mois, enfin par semaine, et ici, 1600. Allez, soyons fous. Soyons fous, soyons... Ah, je peux pas le mettre. Pente trop inclinée. Ok, là je peux le mettre par contre. Ça marche. Après, il va nous falloir... Des écoles. Je vois qu'apparemment les écoles ici c'est bon, les quartiers, enfin les collèges et lycées c'est nul. Les universités on en a même pas. Du coup, on va mettre... Une école ici. On va mettre... Là je vais pas pouvoir, c'est trop, voilà... Un collège là, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Hop, les services de santé, et il nous reste plus grand chose, hein, mine de rien. Ça défile à une de ces vitesses. Clinique médicale, j'ai envie de mettre un grand hôpital. Donc, pour le moment, on va garder notre argent. Hop, je vais mettre ça. Pourquoi ça passe pas? Là, déjà occupé, c'est quoi ce boulot là? Bon, comment je vais faire là, du coup? Est-ce que si je monte... Non, même pas, pas du tout. Alors, petit souci technique. Hop. Eh ben voilà, on y arrive. Tac. Comme ça on est bon. Du coup, on va zoner. Voilà, je pense que je ferai donc un... Des parcs. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être super cool. Du coup, on va mettre... de la résidence... Ah, mais j'ai pas de résidence haute densité. J'ai que de la faible. Du coup, on va peut-être mettre ça... On va mettre ça ici. On va faire ça comme ça. Dans un premier temps. Hop, on va zoner cette zone. Tout simplement. Ici, oui, on peut. On peut, hein, quelque part, on peut. On va mettre en vitesse rapide, histoire que ça avance. Bon, ça se construit, ça se construit. On est plutôt bien. Oh, puis moi, j'ai pas mis le timer, donc comme ça, je ne sais pas du tout où j'en suis. Il va nous falloir du commerce aussi. Du commerce, on pourra en mettre là du coup. On pourra en mettre ici.
Je vais mettre ça comme ça. Pour le moment. Voilà, donc du coup là ça s'est effondré. Mais ça va repartir. Ça va repartir petit à petit. Il faut combien pour les hautes densités? 6500. On va y venir. On va y arriver, on va y arriver. Ah oui, alors eux ils ont pas d'électricité, mince. Hop. Allez. Que le courant soit. Et le courant fût. Plutôt cool ces petits bâtiments là. C'est quoi ça? Boutique de quartier. Bon, très bien. Il y a une marque spécifique. Yaxo. Ils fournissent de l'électricité, mais c'est pas possible. Ok. Bon, ben ça se monte, c'est bien. 6263. Alors, voyons un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Là, il manque du monde, mais cruellement, j'ai l'impression. Effectivement. Les bâtiments sont abandonnés au fur et à mesure. C'est qu'il manque du personnel. Il manque effectivement du personnel sans instruction. Alors ce qui m'embête un peu, si on regarde un petit peu, je crois pas qu'il soit très très éduqué, hein, on va pas se cacher. Là il n'y a pas grand chose, effectivement là c'est quasiment pas. En fait c'est le collège. C'est le collège, on va mettre un collège par ici. Hop, collège. Pour éduquer nos Sims. Parce que moi j'ai envie qu'ils soient éduqués. Université 0, là on n'est pas trop mal, et là ici aussi. Du coup, en mettant un collège, eh ben les bâtiments augmentent. Ça c'est cool. Alors, où on en est ici? 6465. Abandonné. J'arrive plus à parler. Bâtiment abandonné. On a encore une très grosse demande. Hop, donc on va zoner du coup. On va zoner. Hop là alors. C'est ça que je veux comme outil. Alors ici j'aimerais bien le garder pour les. Comment ça, voilà, grande agglomération. Ça c'est cool. Ça c'est super cool. Et là on a donc les résidences élevées, le commerce élevé et les bureaux. C'est pas génial. Du coup, tac, c'est pas ça que je veux. Je veux des zones de bureaux. Hop. On veut aussi donc des bâtiments donc à résidence élevée. Du coup, on va mettre ça là. J'ai bien pris le bon. Oui. Hop. Il faut aussi que je fasse donc des petits chemins. Ça, c'est des routes à gravier. Alors non, c'est dans ici. Et je crois que c'est là. Je suis pas sûr, mais je m'en souviens plus en fait exactement. Des petits chemins, des petits sentiers. Non, ça c'est que les. Alors c'est où déjà? Je ne m'en rappelle plus. Donc c'est pas ici. Ah non, c'est dans le terraforming, effectivement. Effectivement, c'est dans le terraforming. Donc là on met donc des petits chemins. Hop, on va faire donc des petites courbes. Donc ça c'est pour le parc, hein, vous l'aurez bien compris. Voilà. Comme ça, on aura un petit parc ici que l'on fera ultérieurement. Ça pourrait être cool. Hop, on augmente au max. 6600 population. Voilà, le budget l'augmente. C'est énorme, c'est cool. On va faire donc un grand hôpital.
Et du coup, on peut pas le mettre ici. On ne peut pas le mettre ici. Et oui, pente trop inclinée. Et oui, je comprends tout à fait. Du coup, on va mettre ça là. Hein. Il n'y a pas de souci. Cimetière. Pente trop inclinée. Ah oui, ça, c'est vraiment embêtant, ça. Hein. C'est vraiment embêtant. Cimetière. Donc, on va mettre ça ici. Le sauna. Je sais que ça, c'est génial, le sauna. Donc, on va mettre ça là. Y a pas un truc de crématorium là, tout ça là? Si, crématorium, voilà. On va peut-être le mettre à côté ici. Et on va s'arrêter là, pour le coup. Il va nous falloir aussi un petit peu de parc. Ça pourrait être cool de mettre un parc qui va donner donc de la valeur foncière hein, finalement. Hop, je vais en mettre un. Ici, on va mettre un petit manège. Pente trop inclinée. Ah, voilà. Et là, j'ai envie de mettre un gros bâtiment. Du coup, ils seront un petit peu plus contents. Et là, donc ici, on va faire donc notre parc à l'intérieur donc des bâtiments. Ça peut être cool. Ça peut être super sympa. Ah, j'aime bien ce terrassement. Ça me fait penser aux terrasses en Chine où ils cultivent donc le riz. C'est en Chine ou au Japon? À chaque fois, je me trompe. Peu importe. Dans le monde asiatique, on va dire ça comme ça, au moins du moins, je vais pas me tromper. On va dire, ouais, non, c'est pas au Japon, c'est en Chine ou inversement, bon, bref, peu importe. Ça fait vraiment ces terrasses, les unes au-dessus des autres, avec les bâtiments, ça va être super sympa. Ça va être très joli, ça. On va avoir une ville qui va être magnifique, enfin, du moins, je l'espère, en tout cas. Hop, donc petit à petit, on a une demande qui explose. On a encore une demande, là, c'est en population résidentielle très élevée. Donc du coup, hop, on va pas lésiner, on va pas lambiner. On va augmenter les parcelles où ils vont pouvoir construire donc leur bâtiment, hein, tout simplement. Et du coup, on va faire donc la même chose. Hop, on va... faire un parc. Hop, est-ce qu'on peut faire un truc un petit peu plus sympa? Tac. Ah, félicitations, on atteint le niveau 3, niveau donc de la zone pour l'industrie pétrolière. Donc on a débloqué donc les grands puits de pétrole, ça c'est cool. L'usine de jouets et l'entrepôt industriel donc pétrolière. Ok, enfin l'entrepôt industrie pétrolière. Excusez-moi. Hop, comme ça on fera ultérieurement donc notre petit parc là aussi. Ah, ben ça se met en place petit à petit. On gagne 6000. On est plutôt bien. Alors, je pense que là, cette route, à un moment donné, il faudra que je la modifie. Parce que celle-ci va faire du bruit. Nouveau bâtiment, ok. Je pense qu'il... Alors, soit je la mettrai en hauteur. Un petit peu comme aux États-Unis. On a souvent des sections autoroutières qui sont donc surélevées. Où je les enterre, c'est l'un ou l'autre. Hein, de toute façon, à un moment donné, il faudra que je fasse quelque chose pour cette zone. Bon, ben ça me plaît, ça. Ça me plaît, ça me plaît. Est-ce qu'on avait zoné au milieu? Non, on n'avait pas zoné. C'est le commerce, en fait, qui nous demande. Commerce moyen. On va faire ça comme ça. Haute densité, pour le coup, ici. Et on va enlever ce pylône. Oh là, on voit plus rien. Hop, on va enlever donc ces pylônes.
Non, c'est pas ce que je veux. Hop, là, voilà. Tac. Voilà. Plus, moins on en a, mieux c'est, hein, je trouve, des pylônes. C'est pas non plus super jojo quand même, hein, faut bien le dire. Donc autant les enlever. Elle est pas magnifique cette vue là. Voilà ce que ça donne en fait sur quelqu'un qui regarde par sa fenêtre. Voilà, il a la rivière en dessous là. Bon, il aura l'industrie ici. Bon, c'est pas le top. Mais on fera avec. On fera avec, on fera avec. Bon, ben c'est plutôt cool. Vous savez quoi, je ne sais pas du tout où on en est, donc on va se laisser là. J'espère que vous avez bien apprécié ma vidéo sur cette petite création donc de la résidence, enfin de la résidence, de la zone résidentielle. Moi en tout cas, je me suis vraiment bien amusé. Je vous remercie encore. Si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, lâchez un petit pouce bleu, un commentaire sur ce que vous souhaiteriez voir mis en place, sur ce que vous ne voudriez pas voir, sur ce que vous voudriez que je modifie. Hein, je prends l'exemple donc de Mika, qui m'envoie donc de temps en temps donc, des petits commentaires en me disant voilà, c'est vrai que ce serait cool de faire un quartier plutôt. En mettant des courbes, des choses comme ça, un petit peu moins à l'américaine. Et ben voilà, Mika, c'est chose faite. En tout cas, je te passe le bonjour et je passe le bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez fait plaisir, mais en tout cas, c'est le cas, je le répète. Et comme je dis sur chacune de mes fins de vidéo, prends du plaisir et le maître mot. Allez, salut, ciao, ciao!